bino bokonduka ngane Maria luka Yesu bokuzwa ngati bino bozi Tayebe jabe tensiono nayo bakyao Ebando tale mabungu tike zali kamuza nakati Anza sukungunya mashikungunya Wala lia mabungu tike sikungunya Ah mama boya Jabaishi Mamba ya gulukota Yesu Voilà. You can greet your beloved neighbors, brothers and sisters. Let us greet and joy each other. We are in the presence of the King of Kings. We are spending beautiful moments in God's presence. Who is blessed since we started our first days of fasting and prayer? Today we are the 14th one. God is so wonderful. Since we started our 21st day of prayers, God has never spoken to me as He has done it during these sessions. There are messages coming every single day for everybody. There are revelations that God has given us. There are lives who have been set free. There are people who are blessed. Truly, there are so many testimonies. All the glory be given to the Lord Jesus Christ. Therefore, we are encouraging that whoever is in this prayer, vous n'allez pas sortir tel que vous étiez venu. You won't gonna go out as you came in. Même ceux qui prient à la maison. Even those who are praying at home. Nous recevons peut-être des messages des gens qu'on ne voit même pas pendant la prière. We even receive people's message, those we can't even see during the week. Comme je vous avais dit dès le premier jour. As I've told us, as from the first day. Dieu est disponible. God is available. L'homme doit le chercher. A man needs to seek for God. Vous le cherchez, by seeking God tout votre cœur, from the bottom of your heart. And you are also determined à écouter Dieu. To listen to God. Vous allez l'écouter. You are going to hear Him. Si vous voulez aussi le voir, if you like to see Him as il well, va se manifester. He's going to manifest Himself to Dieu you. Le Seigneur, beloved in the Lord, toi qui ne prie pas avec nous, you the one doesn't fellowship with us, viens même la dernière semaine, come even at the last week, la dernière semaine, the last week, je vous avais dit qu'on va commencer chaud dès le premier jour. I told we are going to start by heating up from the first day. Et c'était chaud dès le premier jour. And it was very heat from the et first day. Et nous allons clôturer avec une chaleur, une visitation divine comme jamais avant. We are going to carry on the same atmosphere in the divine visitation as never before. Parce que Dieu voulant, for God willing, nous aurons une invitation, une invité de marque. We are going to have a very special guest. Hallelujah. Amen. Le pasteur Badi Mwanza. Pastor Badi Mwanza. Et nous allons clôturer avec lui. We are going to close with him our 21 days alors, of prayer. La dernière semaine qui reste ici. And our last week of prayer which we have. Je vous invite à être nombreux. I'm inviting you to be more. Venez, il y aura la parole. Come, there will be words. Il y aura les enseignements profonds. There will be a very deep teaching. Il y aura des délivrances. There will be deliverance. Il y aura des bénédictions terribles. There will be terrible benedictions. Dieu, quand on les cherche, when we are seeking the face of God, il se laisse trouver. He let himself be found. Amen. Amen. En principe, on devait parler sur la fin des temps. In the principle, we are going to be speaking about the end of time. Et je bénis d'abord Dieu parce que je suis là. And I bless God for I am here. Les dimanches passés, nous étions en péché. Last Sunday, we were forbidden. We comme were in some problems. Paul le disait, as the Apostle Paul said, il avait formé le projet de venir vous voir deux ou trois à trois reprises. I planned to come and visit you for almost three mais times. Mais là, le diable nous en avait empêché. But as from there, the devil has forbidden us to not be. Comme Papa Nathan a témoigné, as Papa Nathan has testified, on a frôlé la mort le samedi. We risked our lives on Saturday. Amen, amen. Amen. On a frôlé la mort. We were almost dead on Saturday night. Mais le Dieu de miséricorde, but the God of mercy, n'a pas permis cela. Didn't allow that to happen. Il nous a quand même assisté. He has assisted us. Le diable a peut-être réussi à
nous faire fuir ou manquer le culte. The devil tried to make us escape or miss the service. Mais Dieu nous a gardé en vie. God has kept us alive. Alléluia. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur. May the glory be given to him. Je bénis Dieu pour le message du dimanche passé. I bless the Lord for last Sunday's message. Un message puissant. A very powerful message. Un message fort. The strongest one. Qui peut me rappeler le titre? Who can remind me the title? The church toward conflict. Mais là, il y en a qui parlent conflit. The change toward conflict. Quels sont our challenges? Quels sont les défis de l'Église? What are the challenges of the church? Les défis de l'Église. The challenges of the church. Retenir les termes, c'est bien. To memorize the topic, it's good. Mais retenir le message, c'est but bien. But to memorize how to understand the message is far better. C'est quels sont les défis de l'Église? What are the challenges of the church? À l'Église, nous venons apprendre. We are coming to learn in the church. Qui peut nous donner ou nous dire les défis de l'Église? Who can let us know what are the challenges of the church? Yo. Papa, aide-nous, please. Can you help us, please? If I can go back to the message of the pastor speaking about when the church lacks champions, people can stand and defend. If I can give an example of an intercession team, if it doesn't have an intercession team, people whom God opened their eyes, show them what is happening in the church? These are the people whom the church is looking for. Merci beaucoup, Papa. Thank you very much, Papa. Qui d'autre? Who else? Donc vous étiez là. You were there. Comme vous êtes là. As you are here. Et le message du dimanche passé. My last message on Sunday. Est déjà parti. Has disappeared. Alléluia. Amen. Wow. Ça fait mal. It's very painful, the word of God. Il n'y a pas bénédiction sans there parole is de Dieu. No blessing without God's word. Hallelujah. Amen. Il n'y a pas joie sans there la parole is de no Dieu. Joy beside God's word. Tout ce que nous cherchons, whatever we are looking for. C'est pourquoi dans la retraite ici. Therefore in this retirement, quel est le message que Dieu donne what souvent? What God message gives most of the time? Attachez-vous à quoi? Attach yourself to what? À la parole. Dieu me répète ça. God keep on repeating the les same thing. Les gens doivent s'attacher à la parole. People need to be attached to the word. Pas autre chose. Not something else. Alléluia. Amen. Pas aux prophéties. Not to the prophecy. Pas au parler à la. Not to speak in your tongue. Attachez-vous à la parole. Attach yourself to the word. Amen. Amen. Parce qu'il y a des fausses paroles à la. For there are false speaking in tongues. Il y a des fausses prophéties. There are false prophecies. Satan peut tout copier. The devil can copy il everything. Chose que Satan ne peut pas copier. The devil cannot copy. C'est la vérité. It's the truth. Amen. La vérité. And the truth c'est la parole de Dieu. It's the word of God. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Bien-aimé. Beloved. À quoi bon prêcher? What is the use of preaching? Et avancer. And moving forward. Si les gens ne comprennent pas. If people doesn't understand. Why are we coming here? Pourquoi venons-nous ici? Me, the only reason I'm coming here. La seule raison que je m'amène ici. I want God to speak je to me. Je veux que Dieu puisse me parler. I want him to mold me. Je veux qu'il me connaisse beaucoup. I want him to change, to mold me. Qu'il me façonne. Alléluia. Amen. And God can only do it through His way. Et Dieu ne pourrait le faire qu'au travers de sa parole. Amen. Amen. Why can you forget the preaching? Pourquoi est-ce qu'on peut oublier les messages qui a été prêché? Vous avez oublié ou bien vous avez honte? Have you forgotten or are you ashamed? Je répète. I repeat. Avez-vous oublié? Have you forgotten? Ou bien vous avez honte de parler de how la religion? Are you ashamed of who are in front of you? Papa, merci, pasteur. Thank you, pasteur. La prédication du dimanche passé. Last Sunday's preaching. Si je peux résumer. If I can resume. L'église face aux défis. Church faces challenges. C'est l'attitude qu'un enfant de Dieu a. The attitude the child of God is. Par rapport
rapport à ce que les gens regarding what the devil is making them go through. Le pasteur Pierrot a parlé dans Pierrot said, de David devant David Goliath, before Goliath qui menaçait Israël trying to fight with Israel. Et comment le roi Saül a perdu sa dignité, even saw his dignity, parce que because Goliath was giant. Et l'attitude de David, and David attitude toward Goliath, l'a vu Goliath comme étant un insulté. He saw Goliath as an uncircumcised. Les gens le considéraient un vaillant guerrier. Whereby other people could consider him as a warrior. Attitude devant les défis. This attitude towards attitude or circumstances which you are going through. May God bless you. Now we clap our hands for God's word. Il a touché un point où il a parlé de l'amour. He touched a point where he spoke about love. C'était comme ça. That's how it was. Moi, je n'étais pas là avec vous. I went not there with you. Amen. Amen. Même si je ne viens pas. Even though I didn't attend. Je veux savoir qu'est-ce qui a été prêché. I need to know what were preached. Amen. Amen. Les grands défis de l'Église. The greatest conflict or challenge of the church. C'est le manque d'amour dans l'Église. It's the lack of love in the church. David aimait sa nation. David loved his nation. Il aimait son Dieu. He loved his God. Il aimait sa patrie. He loved his country. Il ne pouvait pas laisser. He could not allow. Quelle circonstance. Quelle humiliation. Come and humiliate. La nation de Dieu. The nation of God. Quand on aime. When you love. On est prêt à défendre. You are ready to defend. Amen. Pourquoi les chrétiens se critiquent? Why Christians are criticizing each other? Parce que nous faisons face à ces défis-là de manque d'amour. For we are facing the challenge of lacking of love. Un chrétien, a Christian, nous quand on grandissait, we as we are growing up, on nous formait, they were training us, on nous disait ceci, they were telling us this. Si vous êtes dans un collège de serviteurs, if you're in the college of the servant, let us go away from that among si the servants. Église, if you're in a certain church et que vous allez quelque part, and you go somewhere, vous trouvez les gens de l'extérieur, you find outsiders ou les gens d'une autre église, our people from outside other churches, vous les membres de l'église, or the members of the church parler en mal, speaking in evil des membres de l'église, of another member of the church or a servant of God in the church. On nous avait dit ceci, we were told that à cause de l'amour, because of love, parce que nous formons un corps, for we are forming a body, il faut pas croire ça. You don't have to believe on that, amen. Il faut pas se laisser. You don't have to sustain that, amen. You have first défendre to defend the brother, le protéger, protect him, le couvrir, to cover them, amen, amen. Après vous rentrez maintenant, after you go, auprès de la personne, so the person they were criticizing, voilà j'ai entendu ça, I've heard this and that. Est-ce que c'est vrai? Is that true? Alléluia. Amen. Si c'est un enfant de Dieu, if he's a child of God, il vous dira la vérité. He will tell you the truth. Vous allez lui dire, you are going to tell him, j'ai entendu, I've heard les gens parler, people speaking. Alors ce que toi tu dois faire, what you have to do, tu dois les chercher aussi. You need to look for him as vous well. Leur dire, by telling them, vous avez entendu, what you have heard, c'était vrai, it was good, ou soit tu avais commis une erreur, I have committed a mistake, ou soit c'était faux, it was false. D'abord il faut couvrir. Firstly, you need to cover. Amen. Amen. Praise the Lord. Ça, ce sont des choses qui ne se vivent plus dans nos églises. These are what we don't live anymore in the churches. Alors Dieu nous a orienté. And God has oriented. On continuait avec ce qu'il avait commencé. And we carry on with what He has started. Nous parlons sur la malédiction. We are talking about the case. Ce sont des choses que le monde aujourd'hui n'en parle plus. These are the things which the world doesn't speak about anymore. Parce que le monde aujourd'hui aime la bénédiction. For the world today loves the blessings. Et nous avons une connaissance erronée de la malédiction. And we are going astray from the knowledge of what we call. Le monde aujourd'hui pense que être maudit, and the world today think being cursed, c'est-à-dire dormir affamé, sleep anger, c'est-à-dire ne pas se marier, without getting married, c'est-à-dire souffrir, it means to be under suffering. Non, maudit, no. quelqu'un peut être maudit. You can be somebody can be cursed. Mais tu as l'argent. But you do have money. Mais tu es maudit. But you are cursed. Amen. Amen. Nous avons prouvé cela avec la parole we de Dieu. We have proved that in the word of God. Vous verrez que les enfants Noé avaient maudit son fils. And we saw that Noah has cursed his last born. Il a dit que ta descendance. And he said your offspring sera l'esclave des esclaves de ses frères. Will be slave of their brethren. Mais en réalité, but in reality, vous verrez que you will see that ce sont les enfants de Canaan. It's on the children qui ont occupé
la meilleure partie who de la occupied terre. The most beautiful part of the land. Là où coulait le miel et le lait. Where it was flowing the milk and honey. C'était une nation maudite. It was a cursed nation qui vivait là-bas. Which were living over there. Alléluia. Amen. Mais Israël qui était béni. But Israel which were blessed. Était esclave dans un autre pays. Slave in another country. Alors je vais dire à quelqu'un. And I would like to tell somebody. Peu importe ce que tu traverses. No matter what you are going through. Ce qui compte. What matters. C'est la promesse de Dieu. It's the promise of God in your life. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Ce qui compte. What matters. Ce n'est pas ce que tu traverses. It's not what you are going through. Mais c'est ce que Dieu a dit sur what toi. What God has said upon you. C'est ce qui a de la valeur. It's what has more value. Alléluia. Amen. Nous avons défini la malédiction. We define curse. C'est quoi la malédiction? What is curse? Parce que beaucoup de gens parlent de la malédiction. For many people are talking about curse. Mais ils ne connaissent même pas c'est quoi la malédiction. Ignoring what is curse exactly. C'est comme ça que les chrétiens. That is how Christians. Ils maudissent chaque jour. They are cursing every day. Ils se maudissent eux-mêmes. They are cursing themselves. Ils maudissent leurs frères. They are cursing their brothers and sisters. Parce qu'ils ne connaissent pas. So they doesn't know what. C'est quoi la malédiction? What is exactly curse? Alléluia. Amen. Amen, amen. Praise the Lord. Maudire quelqu'un, c'est quoi? To curse somebody, it's what? Si tu demandes à quelqu'un, un chrétien aujourd'hui. If you ask a question to a Christian today. Les chrétiens aujourd'hui, ils ont des définitions. Today, they got definitions erronées des choses. Which are false or false. Parfois, ils disent des choses qui ne comprennent pas. Sometimes they are saying things which they cannot even master. Maudire quelqu'un, c'est quoi? To curse somebody, it's what? C'est juste souhaiter. Is to wish. Un mauvais sort. An evil sort. Un sort néfaste. A negative sort to somebody. Prononcer des mauvaises paroles. Pronounce evil words upon the future of somebody. Amen. Chaque fois que vous souhaitez que le mal arrive à each time you are wishing evil to happen to somebody, which means you are cursing the person. Amen, amen. Amen. Quand tu souhaites le mal à ton frère, wishing evil to your brother, tu le maudis. You are cursing him. Amen, amen. Amen. Nous avons prouvé cela dans la Bible. We have proven it in the Bible. Pour la toute première fois. For the very first time. Le mot là où le nom malédiction s'est trouvé dans la Bible. Our name case be found in the Bible. C'est-à-dire Dieu avait seulement which parlé. Which God has just spoken. Il dit à la femme. And he said to the woman. Désormais. From now on. I'll increase the pain of your labor. Tu vas donner naissance avec you douleur. You give birth with more pain. Amen, amen. Amen. Il maudit l'homme. And he cursed the man as well. Il prononce mal les paroles. Words. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi la parole, therefore the words dans ta bouche, in your mouth peut tuer, can kill, elle peut aussi sauver. It can also save. Amen. Amen. Praise the Lord. Un enfant de Dieu, a child of tu God, dois peser tes mots. You need to weigh your words avant de les sortir. Before to release them. C'est pourquoi la langue, for the tongue. C'est le monde de l'iniquité. It's the world of the iniquity, as the Bible says. Protégé avec God has protected with the teeth. Il y a les lèvres. There are even lips. Parce que la langue. For the tongue. Peut commettre beaucoup de dégâts. Can commit a lot of disasters. Alléluia. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Donc quand tu souhaites le mal à quelqu'un, by wishing evil towards somebody, tu maudis la personne. You are cursing the person. Nous avons dit ceci. And we have said this. La cause principale, the principal cause, de la malédiction of curse, c'est la désobéissance. Is to disobey. Amen. Amen. C'est pourquoi vous verrez tout un chapitre dans la Bible. Therefore, you see the entire chapter in the Bible. Dieu parle de la malédiction. God speaks about curse. Il prend seulement, je crois, 14 versets. He just takes 14 verses. Là où il parle de la malédiction. Where he was speaking about blessings. Mais à partir de verset 15. And from verse 15. Jusqu'à 40 quelque, je crois. Up to 41, something like Dieu that. Dieu parle seulement de la malédiction. God speaks only about curse. Alors aujourd'hui, les chrétiens. And today, Christians. They are not aware of that. Gentlemen, nous devons connaître ces choses. We need to know these things, beloved. Ces histoires, nous devons les connaître. These things, we need to bear them in our mind. Nous avons expliqué beaucoup de choses. We explained a lot of things. Qui peut être maudit? Who can be cursed? Un homme peut être maudit. A man can be cursed. Et quand la personne est maudite, and once the person is cursed, nous avons vu que tout ce qui est à lui, and we saw whatever belongs to him, est maudit. Is also cursed. Même amen. Sa progéniture, even the offspring, même ses enfants, even the children, c'est ce qui est écrit. Is what's been written. On dit que je vais maudire même ta and progéniture. And he said, I'll even curse your offspring, our descendants. Je vais maudire ton sol. I'll curse your soil, your je ground. Je vais maudire ton champ. I'll curse your field. Une personne peut être maudite. A person can be cursed. Une famille peut être maudite. A family as well can be cursed. Alléluia. Amen. Nous avons des familles maudites. We got families who are cursed. Et nous avons démontré dans la Bible. And we have demonstrated in the nous Bible. Nous avons pris l'exemple de la famille de David. We take the example of David's family. Comment cette famille avait reçu la malédiction? How that family were under curse. Alléluia. Amen. David
maudit David Case à cause de l'immoralité. Because of the immorality, Dieu l'a maudit. God has cursed him. Amen, amen, amen. Cette malédiction and that same case a amené des conséquences néfastes dans la famille de David. Has brought the disaster in the family of cela David. Cela a amené la mort. It has brought death. David, au lieu qu'il soit enterré par ses in enfants, instead of David being buried by children, c'est lui qui a enterré ses enfants de son vivant. He was the one burying his own children while he's still alive. The case a amené l'inceste. Has brought incest dans la famille de David. In the family of David. Amen, amen. Amen. La malédiction amène l'inceste. The case can also bring the incest. Ce sont des moyens par lesquels tu peux connaître comment reconnaître une famille maudite. These are the ways you can even know the family who are cursed. Dans cette famille-là, vous voyez l'inceste. In that family, you are going to notice the incest. Vous voyez les gens mourir tôt. You see people dying very young. Amen, amen. Amen. Les gens mourir jeunes. People are dying very early. La malédiction a amené la rébellion dans la maison de David. Has brought rebellion in the house of David. Ça a amené la mort. It has brought death. Nous avons vu les enfants de David commencer à s'entretuer. We saw David's children start to kill each other. La famille de David, on a pris in ses their family, ses propres enfants, their own children, son propre fils, their own children, couchent avec les enfants, les femmes de son père, with the women of their father. Amen. Amen. Et cela en public. And it was in the public. Amen. 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 Ça a causé des dégâts terribles dans la famille de David. Created disaster in David's family. Et nous avons parlé de comment reconnaître une famille maudite. And we speak about how to notice a family which is cursed. There are signs. C'est pourquoi vous prenez aussi la vie de la famille d'Abraham. Therefore, when you take also the family vous of Abraham, beaucoup d'anomalies. You see the way things which were not right. C'est celui qui était comme racine. For the one who was as a root in the family, Abraham, 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 the father of Abraham, il était maudit. He was cursed parce qu'il adorait for he were worshiping stranger gods. Amen, amen. Amen. Alleluia. Amen. Il était maudit. He was cursed. Et quand vous suivez maintenant la vie de ses now, enfants, if you check the life of children, il s'était des spécialistes. They were specializing en épousant de belles femmes. By marrying beautiful women. Alleluia. Amen. Son fils Abraham épouse une belle femme. His son Abraham married a beautiful woman. Mais le problème est que but the problem was elle était stérile. She was a barren one. Amen, amen. Amen. C'est jusqu'au soir de sa vie. Up to the last moment of her life. Et Abraham, then Abraham has a child. Son fils Isaac. His son Isaac. Amen, amen. Amen. Il a épousé une très belle femme. And he married a most beautiful wife. Alleluia. Amen. Mais la femme, but the woman, elle vit aussi stérile. She was also barren. Jusqu'à un moment, elle est partie pleurer auprès up de son mari. Up to the certain time, he went to moon toward his husband. Alleluia. Husband. Donne-moi les enfants. Give me children. Donne-moi les enfants. Give me children. Amen, amen. Amen. Vous verrez que Abraham a menti. You see that Abraham lied. Sarah a menti. Sarah lied. Amen, amen. Amen. Abraham dit que c'est ma soeur. Abraham said he is my sister. Son fils aussi. The son as well. A fait la même chose. Does the same thing. Amen, amen. Amen. Donc c'est quelque chose qui circule dans le sang. It's something which works in the blood. Amen, amen. Amen. Ça circule dans le sang. It flows in the system. Vous trouvez que tous les membres de la you famille. You see the entire member of the family. Ils ont des choses qui se ressemblent. Things which looks like. Les anormaux. Sont intelligents. These people are very intelligent. Ils finissent les they études, are finishing the study, mais trouver le travail, to find a job, c'est là où il y a le problème. It's where the problem lies. Vous trouvez des gens, you find people, qui trouvent le travail, who are finding the job, mais ils abandonnent le travail. But they are forsaking their own job. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Vous trouvez les gens qui ne sont pas organisés. You saw people who are not organized. Amen. Amen. Vous trouvez les impuissants dans la famille. You find the powerless people in the family. Ça peut se faire. It can be. On a un homme impuissant dans la famille, c'est normal. And powerless men in the family is normal. But once we go to free, trois personnes three people in the same family who are not powerful, il y a un anomalie. There is something wrong. Il faut remonter à la racine. You need to go back to the root. Quelque chose s'est fait. Something has been done over there. Amen. Amen. Alors, on ne saura pas rentrer dans tout ce qu'on a dit. And we cannot go back to whatever we're saying. Je vais toucher quelques points. I would like to touch some points. Et je vais avancer. Then I'll move forward. Amen. Amen. Nous avons parlé des causes de la malédiction. And we've spoken about the causes of the curse. Amen. Amen. Nous avons parlé des liens de mariage. And we've spoken of the bondage of marriage. Vous verrez que Juda et Esaü, you see that Esau était déjà maudit. Were also cursed. Comme il était maudit. As were cursed, il est parti aussi épouser. And he went to marry une femme d'une nation maudite. A woman who was under a cursed nation. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Et cela a déplu à ses parents. And that displeased
parents. Quand il fallait que leur cadet se marie, he said the last born get married. Ils ont dit, va loin. They said, go further. Nous ne voulons plus de ces filles. We don't want those girls anymore. Dans la Bible, vous verrez. In the Bible, you shall see. Les gens que Dieu a tués. People whom God has killed. Parce qu'ils se sont liés dans les liens du mariage. They put them in the bondage of marriage. With the nation which people were cursed. Il y a des gens. There are people. Avant de se marier, before them getting married, elles n'ont pas besoin de prier. They don't need to pray. Pour chercher la volonté de Dieu. To seek the face of God. Et ils ont leurs propres critères. They go their own criteria. Les critères, c'est quoi? The criteria, what? Il doit être brun. They need to be brown. Bien-aimé, beloved, Satan, the devil, n'est pas laid. It's not and ugly. Alléluia. Amen. Comme on lui présente and avec le corps et tout. With the horns, this and that. Satan, the devil, quand on l'a créé, once he was created, la Bible dit, the Bible says, beauté parfaite, the perfect beauty. Amen. Amen. Voilà les critères. These are the criteria. Il doit être lancé plus que moi. And you need to be taller than high. Il doit étudier. And you need to be studied. Il peut avoir des diplômes. You must have diplomas. Des degrés. Of degrees. Maudit. You are cursed. Amen. Quand vous allez vous lier, once you go to humble yourself, à une femme maudite, how to lead yourself to the face of the word of God, nous avons vu des gens, we saw people, les esprits, the spirit, prendre la chair, and taking the flesh, faire les enfants, and making children, avec les humains, with the humans, sur la terre, here on earth, tout le monde que tu vois passer, everybody you saw perfect, n'est pas tout le monde qui voit passer. To everyone who see passing by, n'est pas forcément they are not falsely human beings. Amen. L'autre fois, nous avons parlé du sexe. The other time we have spoken about the sex. Hallelujah. Amen. C'est là le moyen par lequel beaucoup de gens sont maudits. It's the way by many people are under cursed. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu avait défendu. Therefore, God has forbidden. Dans le ministère. In the ministry. Surtout dans les domaines des combats spirituels. Mostly in the field of warfare prayers. Nous avons découvert. We have discovered. Qu'il y a des gens qui n'ont pas le sexe. That there are people who does not sex. Mais par contre, ils ont des démons. But in contrary, they got demons. Amen. Amen. Quand vous prenez ces gens-là qui ont des démons, when you took those people got demons, la vie vous complique. Life complicated you. Nous avons vu des gens. We have seen people. Des garçons, des hommes. Men and women. Des papas, des mamans. Fathers and mothers. Juste après avoir sorti avec quelqu'un. Just after going out with somebody. Sa vie n'est plus restée. Their life didn't remain the same anymore. Amen. Amen. C'est pourquoi vous verrez dans le monde mystique. Therefore, you are going to notice in the mystic world. Quand on leur donne des conditions. By giving them conditions. Les pasteurs qu'on donne des conditions. The pastor whom they are giving conditions. Il faut prendre les femmes. You need to take women in your own prendre church. Les jeunes soeurs. You need to take the young sisters in il your own church. Les jeunes, you need to take the young mothers in your own church. There are conditions even before jumping on the pulpit. You need to take a virgin. Amen. Amen. Plus il fait ça, more they are doing that, plus il devient fort, more they are becoming powerful, more they are becoming powerful. Amen. Amen. Et plus quand ils sortent avec les gens, and many of them by going out people, ils prennent les sous-vêtements, they are taking the underwear, non, je vais penser à toi, and I just want to think about it. Ils prennent les lingettes que vous avez, and they take what you use as a towel. Vous savez où on amène ça? And you do you know where they are taking them? Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Le monde ne parle plus de ces choses. The world doesn't speak about those things anymore. Et c'est pourquoi le monde a des problèmes aujourd'hui. Therefore, we got problem this world today. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Alors, on ne saura pas tout dire aujourd'hui. We cannot be able to speak about everything today. La malédiction, c'est que tu dois retenir ce what word. You need to memorize regarding case is chose de terrible. It's something which is very terrible. La malédiction elle est terrible. Case is very terrible. Nous avons lu avec vous la parole. We read with you the word of God. Elle est omniprésente. He is omnipresent. Dans notre société. In our society. Dans nos familles. In our families. Dans nos vies. In our lives. La malédiction. The case. Elle est omniprésente. He is omnipresent. Alléluia. Amen. Par la malédiction. Through case. Une vie maudite. A case life. Alléluia. Amen. Le cœur est brisé. The heart is being bruised. On connaît les échecs dans la vie. We are having failure in life. On va des échecs en échecs. We are moving from failure to other failure. Amen, amen. Amen. Les accidents. Accidents. Répétés. Repeated ones. C'est comme mon fils qui est tout junior. Daddy, it was an accident.
Chaque fois que Daddy, tu as un accident. Mon père a eu un accident. Daddy, c'est un accident. Papa, lui, il a eu un accident. Accident. When they're talking accident, accident, accident. Amen. 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 La malédiction amène des échecs. Case brings failure. La pauvreté. Poverty. Ça amène la déception. It brings deceptions. Ça amène la mort précoce. It brings the early death. Les avortements. The abortions. Amen, amen. Amen. Une personne maudite. A case person. Travaille pour les autres souvent. Works most for others. Amen, amen. Amen. Mais la volonté de Dieu. But the will of God. C'était pas que les enfants de Dieu soient maudits. It's not that children of God to be cursed. C'est pourquoi quand vous lisez Galates chapitre 3. Therefore, we're reading Galatians chapter 3. Verset 13 à 14. Verse 13 to 14, we are reading. Et je vais continuer avec quelques causes encore. Then I'll carry some causes again. Allons-y. Let's go. La Bible dit quoi? Nous sommes debout pour honorer. Un verset d'ailleurs que beaucoup de gens caillent, comme ils n'aiment pas la malédiction. These are the verses where by many people doesn't like it because they don't like curse. Et ils n'aiment pas plutôt la prédication sur la malédiction. They don't like the preaching regarding curse. Voilà les versets que ces gens-là amènent. These are the verses which many people are bringing. Un verset que moi j'aime beaucoup. A verse which I love so much. Ils ont des versets qu'ils avancent. They got two verses which they always like to foretell. Il y a ça. There is this one. Il y a aussi, je crois. And quoi? There is also. Je crois c'est Ézéchiel. Ézéchiel. Chapitre 18. Chapter 18. 20, quelque chose. Verse 20, something like that. Là où Dieu dit. Where God says. Vous n'aurez plus à répéter cette parabole. C'est quoi? Proverbe annuel. You won't gonna repeat this proverb by saying. Les pères ont mangé. The reason. Et les dents des enfants. Are the children have gone seven age. Amen, amen. Amen. Ça c'est leur verset. These are their verses. Mais ils oublient. But they have forgotten. Qu'il y a exode. That there is exodus. 34. On va lire ça. We are going to read that. Amen, amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui il y a des églises. For today there are churches. On dit qu'il ne faut plus prêcher la malédiction. They say you don't have to preach about curse anymore. Non, on ne prêche pas. No, we don't preach curse. On lit la parole. We are reading the word. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Christ has redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. Because it is written, cursed is everyone who is hanged on a tree. The purpose was that the blessing of Abraham will come to the Gentiles in Christ Jesus, so that we could receive the promise of the Spirit through faith. Alleluia. Amen. Je vais lire ça en français. En français, on dit quoi? In French, they say. Oh! 3 combien? 13, 14. Bon, en français, c'est 13, 14. Yes. Christ nous a racheté de la malédiction de. Étant devenu une malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Avec la bénédiction d'Abraham, qui pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous résistions par la foi. L'esprit qui nous a été promis. Seigneur Dieu, parle-nous par ta grâce au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. You may be seated. Bienvenue dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Les gens qui n'aiment pas qu'on parle de la malédiction. Those who doesn't like that to may speak about curse. Ils évoquent ce passage. They only raise this passage. Ils évoquent aussi les proverbes que j'ai donné. And the proverbs which I've given. Ce passage. And this passage. C'est l'un des passages parmi les meilleurs passages que j'ai donné. The most beautiful which is in the Bible. Christ nous a racheté. Christ has redeemed us. Là je rentre dans l'enseignement que j'ai donné. I went back to the teaching which I've given. L'homme est tombé. The man has fallen. On parle de la malédiction. They are talking about curse. Quand il y a désobéissance. When there are disobedience. Amen. Amen. Or il y a désobéissance. There is disobedience. Quand on pêche. Once you sin. Alléluia. Amen. Tant qu'il n'y avait pas les péchés dans le monde, as long there were no sin in the world, la malédiction n'existait pas. Yes, were not existing. Mais le jour où les péchés entrent, la malédiction est venue avec les péchés. Came with sin. Alors, on conclut ou on déduit maintenant? They conclude or they restricted? By saying this, la malédiction cursed, n'est rien d'autre. Is nothing else than living vie, a life of sin. Mm. Amen. Amen. Je vous ai toujours dit ça quand j'étais petit. When I was young, mon encadré de la jeunesse, my leader in the youth, il m'a regardé. He looked at me. Il m'a dit Florent. He said Florent. Je ne sais pas pourquoi il m'avait dit ça. I don't know why he told me that. Il m'a dit. Yeah, he told me. Le temps viendra. The time shall on come. On était en retraite. We were in a retreat. Le temps viendra. The time shall come.
Tu ne vas plus commencer à envier les gens. You won't gonna envy people the way you are envying. Parce qu'ils ont l'argent. For they got money. Parce qu'ils ont étudié. For they studied. Parce qu'ils sont stables dans la vie. For they are stable in life. Tu vas les regarder. You look at them. Tu auras pitié. Pity them. Alléluia. And send that. Amen. Amen. C'est seulement quand j'ai grandi. Then once I was grown up, j'ai commencé à comprendre. I started to understand que le plus grand poisson, that the greatest poison, dans la vie de quelqu'un, in somebody's life, ce n'est pas la pauvreté. It's not poverty. Ce n'est pas le sida. It's not HIV. Le plus grand mal dans la vie de quelqu'un, c'est le péché. It's sin. Amen. 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 Praise the Lord. Aujourd'hui, and today, pourquoi les gens ne se convertissent pas? Why people doesn't convert? Parce qu'on leur a dit, for they were told, la pauvreté, poverty, c'est ça le péché. It's even what they c'est ça le démon. It's even what they call. Alors demons. Les riches se sont dit, and therefore the rich say, si la pauvreté, if poverty, est un péché, was a sin. Moi, je ne suis pas pauvre. I'm not poor. Je ne suis pas péché. I'm not a sinner. Amen. Amen. Or quand vous lisez la parole. By reading the way, vous verrez que la majorité des enfants de Dieu, you see the majority of the children of God, sont pauvres, they are poor, et les riches, and the rich, c'est les enfants d'Ismaël, and the children of Ishmael. Amen. Amen. Les riches, the rich, qui imposent la loi, who are imposing the law, les homosexuels de notre these temps, these are homosexuals of our time. Amen. Amen. Ce sont eux qui sont plus forts. They are the ones who are more stronger. Beaucoup de pasteurs, most of the pastors, beaucoup de églises, many churches, ont vendu les droits de they sold their birthright auprès de ces gens-là. Toward those people, à cause de l'argent, because of money, parce qu'ils veulent pas souffrir. They don't want to be under suffering. Alléluia. Amen. La malédiction la plus grave, the greatest sin which you need to avoid in your life, c'est le péché. It's the sin. Amen. Amen. Alors, pour résoudre le problème du péché, and to solve the problem of sin, quand vous lisez la Bible, by reading the Bible, Jésus n'était pas venu. Jesus didn't come pour que nous ayons l'argent. For us to have money. Amen. 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 Praise the Lord. La première mission, the first assignment, l'objectif majeur de Jésus, main objective of Jesus, on l'appelle sauver. They called him a savior. C'était pas pour nous sauver. Not for him to save us from poverty. Ça, c'était des conséquences. These are the consequences. La pauvreté, the poverty, la maladie, sickness, toutes ces histoires-là. All these things, ce sont des conséquences. These are the consequences of sin. Alors on ne coupe pas l'arbre. You cannot cut the tree. À partir des étapes, from the branches, l'arbre, the tree, on la coupe. You need to cut it. À la racine, from the root. Le problème de l'homme, the problem of the man, il a amené la malédiction. Who brought the sin? C'est que la racine. It's on the root. La racine, c'était quoi? The root was what? Le péché. The sin. Amen. Amen. Praise Amen. The Lord. Voilà Dieu, pourquoi Dieu a envoyé Jésus. The reason why God has sent alors, Jesus. La dit, and the Bible says, Jésus nous a rachetés. Jesus has redeemed us. C'est la malédiction de la loi. From the case of the law. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous avons dit au début. Therefore we say at the beginning. Ne cherchez pas ailleurs. Do not seek elsewhere. La solution. The solution. À être en Jésus. Is in Jesus Christ. La solution. The solution. À ton problème. Or to your problem. C'est Jésus. It's Jesus. Amen. Alors ça ce sont des choses. And these are the things. God wanted. Je vais toucher la semaine prochaine. I'll touch the coming weeks. Comment est-ce qu'on peut sortir de la malédiction? How can we go out of the case? Ici on nous dit. Here they are telling us. Jésus. Comment est-ce qu'il vous a sauvé de la malédiction, racheté de la malédiction? How Jesus redeemed us from the case of the law? C'est en devenant lui-même une malédiction pour nous. Himself a case for us. Jésus est devenu une malédiction pour nous. Jesus has become a case for us. Car il est écrit, for it is written, pour dire soit qui compte parmi vous, au bois. Hang on the cross. Quand Jésus était parmi au bois. Jesus was hanged on the cross. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Quand Jésus était parmi au bois. When he was hanged on the cross. Il était maudit. He was cursed. Quand il était maudit, my being cursed, parce que une des conséquences de la malédiction, one more the consequence of the curse is what? La malédiction, curse, vous sépare de la présence de Dieu. Separate us from God's presence, amen. C'est pourquoi vous verrez dans les jardins. Therefore you see in the garden, ils étaient là. They were there. Quand ils étaient innocents. When they were innocent. Mais les jours ils ont but péché. But they paid the sin. Dieu les a chassés dans les jardins. God chased them in the garden. Une personne maudite, a cursed person, ne reste pas dans la présence. They don't remain in the presence of God, amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Les jours ils ont péché. The day they sinned. Dieu les a maudits. God has kissed them. Ils devraient aller en dehors. They had to go outside. Dieu a mis un ange. God placed an angel. Avec une épée. With a sword. Pour les empêcher. To stop them. À entrer. To enter. Alors à la croix. At the cross. Quand on l'a crucifié.
Bible. La Bible dit, the Bible says, il était maudit. Voilà pourquoi, therefore, il pouvait crier. He could scream. Quand il était encore avant de monter à la croix, before go to the cross, il disait ceci. He was saying this. Celui qui m'a envoyé, the one sent me, est toujours avec moi. He is always with me. Parce que je fais toujours. I'm always doing ce qui lui est agréable. What is pleasing him. Once he was on the cross, ce passage, his passage, j'accomplis, accomplished parce que la loi for the Lord said, maudit soit, yes, be the one who heaven est parmi nous on the cross. C'est maudit soit quiconque est parmi nous. He who hang on the wood, ce n'est pas le message de la grâce. It's not the message of the grace. C'était la loi. It was the law. Amen. Mais pourquoi la loi? But why the law? Pastor, you are preaching about the law. Mais la loi s'accomplit dans le Nouveau Testament. But the law is accomplished in the New Testament, isn't it? C'est la loi de Moïse qui avait dit. It's the law of Moses which said. Maudit soit quiconque. Praise whoever cares for me. In end on the tree. Alors Jésus vient dans le Nouveau Testament. And Jesus came in the New Testament. Je la grâce. I'm bringing the grace. Mais maintenant il monte à la croix. And he went on the cross. Les actions. The actions. Les effets de la the loi. The effect of the law. Quand il monte à la croix, and once was on the cross, la loi l'a attrapé. The law has attracted. Il devient maudit. He has become a cursed one. Amen. Praise the Lord. Jésus était maudit à la Jesus croix. Jesus was cursed on voilà the cross. Pourquoi il a crié. The reason why he screamed, Père, Father, mon Père, my Father, pourquoi m'as-tu abandonné? Abandonné. 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 Parce que tu as la malédiction. God, the curse, that's why I'm abandoning you. Beaucoup de chrétiens, many Christians here, quand ils prient, when they are praying, ils prient. God, you forsaken me. I am so ashamed. They are mocking on me. Hallelujah. Amen. 21 jours à prier. 21 days of prayer. You are crying the tears of glory. Why have you forsaken me? You are bringing me full of shame. There are those who are trusting you. To trust the Lord. Never pas dit. Doesn't mean gêné. And to fast. Huh. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Faire confiance en Dieu. To trust God. Ce n'est pas gêner. It's not to fast. Ce n'est pas prier. It's not to pray. Faire confiance en to Dieu. To trust God. La Bible dit. The Bible says. Abraham crie à l'Éternel. Abraham believed in the Lord. Yes. Et cela lui fit imputer. And he was imputed into righteousness. Espérant. We're hoping. Autre. That. Tout est. All. Espérant. C'est-à-dire. Which means. Je vis de la prostitution. I'm living with prostitution. On vient me dire. And they come telling me. Le Dieu de la Bible. The God of the Bible. Jésus. Jesus. Est bon pour toi. He died for you. Et tu abandonnes. For you to forsake this man. Alors, faire confiance en Dieu pour moi. God is what? J'abandonne Jean. I'm forsaking John. J'abandonne Léon. I'm forsake Léon. J'abandonne tout ce genre-là. I forsake all these people. Mais je n'ai pas du travail. And I got no job. Je n'ai pas toujours du travail. I got no other job. Je sais que je mangerai. I know that I'll eat. Dieu prendra soin de moi. God will take care of me. C'est ça que je fais. This is all you trust God. Amen. 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 Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on a changé today, les choses. Things have been swapped over. On voit d'autres histoires. We have seen other things. On les croit la parole instead de Dieu. Of the word of God. Amen. Amen. Dieu vous a abandonné. God has forsaken you. Parce que vous êtes maudit. You are cursed. Et qu'est-ce qui a mené la malédiction? And what has brought curse? C'est le péché en toi. The sin in you. Jésus était maudit à la croix. Jesus was cursed on the cross. Parce qu'il a porté sur lui. For his pain upon him. Tous nos péchés. All our sins. Donc un péché est sin, un maudit est curse. Amen. I'm not the one. The chant, the chant. The singer sang it. Deny, deny, deny. Hallelujah. Hallelujah. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas moi qui I'm not the one who invented it. Je suis dans la Bible. I am in the Bible. Nous avons des églises maudites. We got church which is cursed. Dieu n'y prie. God is no longer into. Amen. Amen. L'église de Laodicée. The church of Laodicea. C'est là où Dieu dit que je suis en dehors. God say I'm outside. I'm knocking. I'm knocking. Dieu n'est pas dedans. God is not within. Il est dehors. He's outside. Amen, amen. Amen. Pourquoi? Why? Nous avons privilégié le matériel. We are privileging the materials. Le confort matériel. But the comfort of materials. Et vous êtes sur un aussi longtemps que vous m'amenez de l'argent. Comfortable. Je suis confort. Bon, de l'avant. Oui. Non, pas ça. Ce n'est pas l'évangile. This is not the gospel. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Hey, hey, hey. Le salut est individuel. Salvation is individual.
individual. It's like cursed. Avec la grâce, with the grace, les choses ont changé. Things have been changed. Who has told you la that? Bible dit, the Bible says, the same way, le péché, through sin, par l'offense d'une personne, through our offense, through one person, who has been committed to the man, God has struck him over by us, justice, by the righteousness of who believes in him, we are going to be justified. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Pastor, we don't want to hear our grandfathers. No, Bible says no. The Bible is spoken already. Father eaten. Now the children are going to celebrate. No. Second, it's what God. Tu n'as jamais lu Exode. You have never read Exode. Exode 34. Exode 34. Exode 34. Exode 34. Dieu ne se répand jamais. God never repent himself. Sa parole. Of his word. Exode 34. Exode 34. Je lis la parole. I'm reading the word of God. Amen. Praise the Lord. Je vois c'est 33. And 33. Chercher ce verset 33. Exode. Qui ne tient pas le coupable pour l'innocent. C'est 32 ou 33. Cherchez-moi ça. Mais je suis là. La Bible dit quoi? What's in the Bible? 34 verset 6 à 7. 6 to 7. Exode, on dit Exode, quoi? They say what? Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux. Dans notre temps, on présente toujours un Dieu miséricordieux. In our time, they only present a merciful God. Amen. 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 Et compatissant, là à la colère est riche à et à fidélité. Et nous nous limitons là-bas. C'est qui est mauvais. Stop there, which is not right. Le verset 7 dit ceci. Verse 7 says that. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 jets. Up to 1000 generations. Si tu aimes Dieu. If you do love God. Ta progéniture. Your offspring. Jusqu'à 1000 générations. Up to 1000 generations. Pour vivre les bontés de l'Éternel. To live the goodness of God. Est-ce que quelqu'un me suit? Does somebody understand? Alléluia. Amen. Qui pardonne l'iniquité. Écoute. Non, listen. Ah. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Qui pardonne l'iniquité. La rébellion est quoi? And sin. Dieu pardonne la rébellion. He the rebellion and sin. Pour. Mais qui. Écoutez bien. Now listen carefully. Mais qui ne tient point le coupable pour quoi? Pour innocent. For innocency. Et qui punit l'iniquité de père? Suivez bien. Follow carefully. Il punit l'iniquité de qui? For the father. De père sur les enfants. Et sur les enfants des enfants. Écoutez bien, des enfants des enfants. The children of your children. Alléluia. Amen. Jusqu'à quand? Up to when? Jusqu'à la troisième et la quatrième fois. Génération. Ce que tu fais aujourd'hui, what you are doing today, ça peut affecter tes enfants. It can affect your children. Tu as tout intérêt à bien vivre. You got all interest to live pour tes enfants. For your children. Toi qui détruis les filles d'autrui. You the one that destroys other children. Tes filles, other people's girls. Tes petites filles. Your girls, your little girls, your grand grandchildren. Et vous aussi destroyez ça. They'll suffer that. Quand tu viens à l'église, on te dit vive right. When they are coming, you come to say, they are telling you live well. Live right. Vive bien. C'est pour ton bien. It's for all good. Quand on pêche, when you sin, ça n'affecte pas Dieu. It doesn't affect God. Ça nous affecte it nous. It affects us. Amen. Amen. Les avortements que tu fais, the abortion which you are committing, ça va affecter la génération. It will affect the future generation to come. Alléluia. Amen. L'argent d'autrui que tu manges. Other people's money which you are stealing. Un jour tu vas payer. One day you will pay. Même tes enfants vont payer. Even your children.
is his house. On nous dit Mephibosheth. 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 Il était prêtri espiritual. Bien que prêtre de pied. Il n'avait pas droit de s'asseoir à la table du roi. Mais à cause de Dieu, de son père, of his father. Mais Mephibosheth a eu le privilège d'entrer dans le palais royal. Il est dans le palais. Il est on the table of the king. Tes enfants, your children, sans effort, without any effort, sans effort, je without any effort, I'm saying, ils peuvent bénéficier. They can benefit. Des biens que toi tu as aujourd'hui. Amen. Today. Amen. Alléluia. Mais les gens ne m'apprécient pas. People don't love me. Les gens ne m'aiment pas. If they don't love you, si on t'aime pas, let me tell you. Laissez-moi te dire. There is God in heaven. He loves you. He t'aime. He sent his son. He offered to die for you. He mourut pour toi. So God loves you. He t'aime. Learn to love yourself. And apprends à t'aimer toi-même. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. David n'a pas hésité. David qui n'a pas hésité. Parce qu'il a enlevé les habits. And he removed the clothes. Il se regarde dans le miroir. And he looked on the mirror. Il tourne. And he tells himself. Il dit, je te loue, Seigneur. He said, I praise you, Lord. Parce que tu m'as créé. Oh, le créateur dit. Créatif. I'm a creator. Merveilleux. Oh, beautiful. Il n'avait pas besoin. He didn't even want it. Quelqu'un vient lui dire. Somebody to come and tell him that. Amen. 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 You are dead. You are bitching yourself. For they told you are dark. Hallelujah. Amen. The psalmist said, ne prenez pas. Ne prenez pas. Ne prenez pas attention, mon témoin. Take care of my. C'est le sommeil ma. It is the sun which repent me. Amen. Amen. If you follow carefully, les gens. People who have bleached themselves. Quelqu'un le disait. Somebody were telling them, trop loin. You are dark. Alors ça l'a affecté. And it affected them. Ça l'a affecté. J'avais une fille comme ça qui travaillait pour moi. I had a cosa girl working for me. Elle a abandonné le travail. She had forsaken the job. Elle a venu de Transcar. And she came from Transcar. And she worked 1 year or 2 years. Elle a abandonné. And she abandoned the job. Un jour je la rencontre. One day I met her. Elle était brune. She has become so brownish. This, you listen. Hey, you listen. Is this you? Mister, you are the one. Yes, it's me. Hey, we is the one. Now you look like that. Hey, vous devez le comment color. Yes, I met myself. Hey, je me suis fancy. Amen, amen. 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 Toi-même. You alone. Les choses que tu dis sur ta vie. What you are saying upon la Bible life, dit. The Bible says. Ce que je crains. What I fear. C'est ce qui m'arrive. What happened to me. Ce que je redoute. What I doubt is what reached me. Tu dois être confident. You need to be confident yourself. Cesse d'être négatif. Stop being con et négatif. Un pasteur, les prédicateurs, preachers, ils ont compris ça. They understood that. Pourquoi on les prêche la parole? They are preaching the way. L'église, the church, est devenue un temple. It has become a place of motivation. Mm. That's true. Amen. Amen. Quand ils viennent, when they come, ils commencent déjà à motiver. Start to motivate. Quand l'église est chaude, when the church is hot. Amen. Amen. S'il n'y a personne pour te motiver, there is nobody to motivate you. Motivate yourself, amen. Dieu me connaît. God knows me. Mon temps viendra. Amen. God knows me, amen. Comme je n'ai pas péché. Means that you sin. Comme je n'ai pas de problème. I have no problem with anybody. Mais Dieu disait, God of heaven. Job. Il attendait. He was waiting. La compassion de ses amis. The compassion of his friends. Il attendait. He was waiting for. Et ses amis. That his friends. Dieu le fortifie. Come and fortify him. Mais quand ils sont venus, but when they come, ils ont amené le marteau. They brought hammers. They brought hammers. C'est ça l'homme. This is a man. Quand tu souffres, when you are suffering, quand tu passes le compagnie avec toi, you think they are compatising with you. Psalm 41. Go read Psalm 41. Quand ils viennent, when they are coming, ils prennent les petits. They are taking the heritage of the Lord. They are compatising with you. Mais lui, il tourne le dos. When they are telling the man, ils disent, they are saying, il est sérieusement attend. Ah, he's really touched. But you know, like, oh, I will come. Ah, oh, like a chef. Sorry. Me call it some chef. Sorry. Man, I think I need a chef. I am sick. That's a shame. Amen, amen. Amen. So la chef. Sorry, sorry. Hey, so. When they're moving out. That's why I leave, sir. Je vais lire ça rapidement. I don't want to go to another place. Psalm 41, je crois. Psalm 41. Okay. Écoute, verset 7. 41 verse 7. Verset 5, commençons.
J'ai dit, Éternel, aie pitié de moi. Guéris-moi, mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi. Quand mourras-tu? Quand mourra, when shall you die? Quand périra son nom? When shall soul will perish? Dans ce monde, il y a des gens qui veulent voir ton nom périr. In this world, people are seeking to disappear. To be disappeared. L'église, in this church, total, we are going to see. You found us. You will leave us here. Those who came, are they not prosper? You are trembling. You are trembling. Et ceux qui disent ça, those who are saying that, ils ne changent jamais. They have never changed. Alone.